Frères et sœurs, nous allons poursuivre notre parcours de l'Évangile selon Matthieu avec les enfants de l'école biblique. Et ce matin, je vous propose de nous arrêter au chapitre 17 de cet Évangile. Voici ce que nous lisons aux 9 premiers versets du chapitre 17 de l'Évangile selon Matthieu. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Moïse et Élie leur apparurent, et ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les enveloppa, et voici qu'une voix sortit de la nuée qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cela, les disciples tombèrent la face contre terre, saisis d'une crainte violente. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, « Levez-vous, soyez sans crainte. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus, seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Frères et sœurs, nous allons chanter le cantique 178 pour nous préparer à la méditation. Nous chanterons les strophes 1 à 6 de ce cantique.
Éternel, toi qui par ton esprit assembles les croyants en tout lieu de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent, et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance. Chers frères et sœurs, ce texte biblique est traditionnellement intitulé « Transfiguration ». C'est le titre qui figure dans la plupart de nos éditions françaises. Et cela est une vieille habitude, puisqu'elle remonte à la traduction latine de la Bible. En effet, nous entendons ne serait-ce que dans le préfixe « trans » que c'est un préfixe latin. Et c'est un peu curieux dans la mesure où le texte du Nouveau Testament a été écrit en grec. Et plutôt qu'utiliser le terme de transfiguration, nous serions certainement mieux inspirés d'utiliser un terme français issu de ce terme grec, métamorphomai, qui signifie métamorphoser. En fait, c'est un texte qui parle de métamorphose, au sens strict du terme. Par conséquent, autant parler de ce terme, métamorphose, nous serons non seulement plus proches du texte biblique, mais aussi plus proche de notre quotidien, car nous parlons rarement de transfiguration, mais souvent de métamorphose, à commencer par vous, qui êtes dans l'âge de la métamorphose, par excellence. D'ailleurs, vous ne cessez de vous métamorphoser, et nous aurons l'occasion d'en reparler un petit peu tout à l'heure. Ceci pour ramener les évangiles dans notre quotidien, et éviter de penser que la transfiguration serait un terme tellement inédit, qu'il serait un terme qui dit que ce qui est arrivé là, dans cet épisode biblique, a quelque chose de tout à fait surnaturel, et que Jésus, en quelque sorte, s'est transformé, a changé de façon radicale. Eh bien, j'aimerais vous montrer que non seulement Jésus n'a pas changé de manière radicale, et peut-être que d'ailleurs Jésus n'a pas du tout changé, mais qu'en revanche, il y a dans ce texte trois métamorphoses implicites dites à travers ce récit. La métamorphose du Messie, la métamorphose des Écritures et la métamorphose des disciples. Une triple métamorphose. Tout d'abord, commençons par le commencement. L'évangéliste Matthieu débute son récit en indiquant que nous sommes 6 jours après. 6 jours après Jésus. Mais 6 jours après quoi? Alors vous allez me dire, 6 jours après ce qui précède.
Et en ce sens, vous n'aurez pas tort, cher catéchumène, vous qui replacez toujours le texte dans son contexte, pour ne pas faire de massacre à la tronçonneuse et isoler un verset et lui donner le sens que vous voudriez. Donc 6 jours après une explication entre Jésus et Pierre sur l'identité de Jésus et sur le pouvoir de pardonner qui est confié à Pierre, dès à présent et non dans un monde qui serait après la mort. C'est un peu plus tôt au verset 19 du chapitre 16. Ce que vous liez ici sera lié au ciel, ce que vous déliez ici sera délié au ciel. Autrement dit, c'est ici et maintenant que tout se joue. N'imaginez pas qu'après ça puisse s'arranger. Donc n'attendez pas quelque chose de surnaturel après la mort, c'est d'ores et déjà que vous devez prendre en main votre histoire et faire ce qu'il convient de faire. Et c'est donc l'histoire du pardon. Lier, délier, c'est lier l'homme de sa faute ou le délier de sa culpabilité. Donc il s'agit de pardonner. Nous sommes 6 jours après une discussion entre Jésus et Pierre sur le pardon. Et nous sommes à quelques minutes de Pierre qui dit vouloir faire des tentes, dresser des tentes pour y mettre Jésus, Moïse et Élie. Nous sommes entre le pardon et les tentes. Et cela est juste, car selon le livre du Lévitique au chapitre 23, les versets 27 et 34, il y a 6 jours entre la fête du grand pardon, le Yom Kippour, et la fête des tentes, le jour de Soukhot. Autrement dit, l'évangéliste Matthieu fait une allusion ici à la fête des tentes qui suit la fête du grand pardon. Très bien, mais alors quel intérêt de citer cette fête des tentes, d'en faire une allusion, sans l'exploiter pleinement, comme le fera l'évangéliste Jean? Eh bien, il me semble que l'intérêt de l'évangéliste Matthieu pour cette fête des tentes tient dans l'attitude de Jésus. Que fait Jésus au moment de la fête des tentes? Le texte le dit, il se met à l'écart et il porte ses disciples vers le haut d'une haute montagne. Ce petit détail est tout à fait significatif. L'intérêt est de montrer comment Jésus réagit à l'occasion d'une fête qui était en fait considérée comme le paroxysme de l'attente messianique, de cette attente d'un homme qui, enfin, sauverait Israël, sauverait la nation, libérerait Israël du joug romain. La fête des tentes vient célébrer la sortie d'Égypte, vient célébrer la libération de ce pays d'esclavage. Et du coup, la fête des tentes était ce moment de l'année où tout le monde s'attendait à ce que le Messie arrive et enfin libère tout le monde. L'attente du Messie national, si elle est particulièrement forte lors de la fête des tentes, est particulièrement déçue par l'attitude de Jésus, qui se met à l'écart, s'isole et ne fait rien de ce que nous pourrions attendre d'un Messie national. Comme je ne vous demande pas de me croire sur parole, vous pourrez vous reporter à l'évangile selon Jean au chapitre 7. De façon générale, quand on veut savoir ce qui est dit et ce qui se passe pendant les fêtes, on va voir l'évangile de Jean. Quand on veut savoir ce qui se passe pendant le dernier repas de Jésus avec ses disciples, on se reporte à l'évangile de Jean. Et bien là, la fête des tentes, on en parle au chapitre 7 de l'évangile de Jean. Et c'est l'évangile dans lequel on dit à Jésus qu'il est temps de se manifester par des œuvres. Verset 3. On demande aussi si les chefs d'Israël ont reconnu que c'est lui le Christ. Verset 26. Autrement dit, cette fête des tentes, cette fête de Soukhot, est bien le moment où on s'attend à ce que Jésus manifeste en fait sa gloire, sa puissance, sa domination sur la situation politique. Donc Matthieu indique de quelle manière il déçoit l'attente. Une fois de plus, Jésus n'est pas là où on l'attend, ce qui est somme toute assez caractéristique du divin. À vrai dire, Jésus fait mieux que cela. Jésus ne succombe pas à la tentation du pouvoir. On lui fait miroiter en permanence le fait qu'il pourrait être grand prêtre d'Israël, ce qui est juste, qu'il pourrait être ce Messie que tout le monde attend,
et qui libère tout le monde de cette domination impérialiste. Eh bien, il ne succombe pas aux sirènes qui lui font miroiter la puissance et la gloire. Et cela, l'évangéliste Matthieu le dit de façon assez évidente, pour peu qu'on ait lu ce qui précède. L'évangéliste fait un parallèle assez strict, finalement, entre cet épisode et la tentation au désert qui suit le baptême de Jésus. Dans les deux cas, lors de la troisième tentation, Jésus monte sur une haute montagne. C'est les mêmes termes en grec, je vous les épargne. Et cette troisième tentation vient au moment où Jésus est susceptible de céder à cette tentation du pouvoir. Il monte sur la haute montagne pour voir tous les royaumes et la gloire. Sous-entendu, d'ailleurs c'est pas sous-entendu, c'est explicite dans le chapitre 4 de Matthieu, ce sera pour toi. Le monde entier sera à tes pieds. Et que dit Jésus ? Retire-toi, Satan. Chose qu'il dira exactement à Pierre juste avant, dans sa petite discussion sur l'identité du Messie et sur le pardon. Comme vous avez bien travaillé la question du baptême, j'imagine que vous avez aussi entendu que cette phrase que l'on entend dans la nuée, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection » est précisément la phrase qui a été dite juste avant, lors du baptême de Jésus. Cette voix qui vient du ciel au moment où Jésus est baptisé par Jean le Baptiste. Donc, tout cet ensemble est encadré par cette formule d'adoption et cela montre qu'il y a un lien entre ce que Jésus est en train de vivre là, sur cette haute montagne, et ce qu'il avait vécu déjà un peu plus tôt sur la haute montagne en compagnie de Satan. Et Pierre est à nouveau présent. Matthieu fait donc référence de deux manières à la tentation du pouvoir, tentation à laquelle Jésus ne cède pas. Jésus ne sera pas un messie à la manière de ceux qui prétendent être le sauveur du monde et qui n'ont en tête que la gloire, le pouvoir, la domination. Et elle est là, la métamorphose du Messie. Le Messie ne sera donc pas ce qu'on attend qu'il soit. Jésus sera définitivement Messie à la manière du serviteur souffrant, sans autre puissance que l'amour, que l'esprit de service. Alors évidemment, cela n'est pas très spectaculaire, mais c'est ainsi qu'il est vraiment possible d'agir pour la liberté de ceux qui nous sont confiés. En tout, dans son attitude, les actes de Jésus font de lui un homme libre. Jésus, de ce point de vue, métamorphose le messianisme qu'on espérait national à l'époque en une attitude personnelle, celle de l'homme libre, profondément libre. Jésus est un homme qui est détaché de la tentation du pouvoir, qui nous rend captifs, qui nous rend esclaves. Il est détaché du « qu'en dira-t-on ?» Il est détaché de la gloire, de la renommée. Et du coup, il est libre de faire ce qui lui semble juste et bon, et pas ce qu'on attend de lui. Il agit indépendamment de toute autre considération que ce qu'il estime bien, juste. Et c'est cela, être pleinement humain. Et du coup, Jésus nous indique ce qu'est l'humanité véritable. C'est la liberté à l'égard du pouvoir. Notons au passage que la métamorphose ici se distingue des métamorphoses telles qu'on les trouve dans la mythologie grecque. Jésus n'est pas métamorphosé en quelque chose d'autre, soit qu'il aura été puni, soit qu'il chercherait à se cacher, comme dans bien des récits mythologiques. On peut penser à Daphné, qui se métamorphose en laurier, ou à Rétus, qui est transformé en fontaine. Dans le cas présent, Jésus se métamorphose, pour autant qu'il se métamorphose, en ce qu'il devient plus lui-même. Et comment ne pas dire avec Matthieu qui précise que son visage resplendit comme le soleil, que la personne de Jésus est donc portée à son incandescence. Et c'est précisément ce qui vous arrive. Vous n'arrêtez pas de changer à vue d'œil. Vous grandissez, vous vous épanouissez, la voix change, les idées aussi changent. Et en fait, vous ne devenez pas quelqu'un d'autre. Vous devenez un peu plus vous-même. Vous devenez un peu plus celui que vous êtes potentiellement. Vous vous réalisez. Et la métamorphose, c'est cela. Méta, c'est après, en grec. Et donc, vous allez au-delà de l'apparence.
vous cessez d'être le petit enfant que nous avons en tête. Et chaque jour, ou de temps en temps, par vos réactions qui nous surprennent et qui font preuve d'une maturité nouvelle, eh bien vous attestez une métamorphose. En soi, vous ne changez pas. Ce qui change, c'est le regard que l'on porte sur vous et c'est votre capacité à pouvoir faire quelque chose de ce que vous découvrez au fur et à mesure. Nous allons y revenir encore un peu. Mais avant cela, la deuxième métamorphose. La deuxième métamorphose, c'est la Bible. Je devrais dire plutôt la parole de Dieu. Lors du séjour sur la montagne, les trois disciples voient Moïse et Élie en plus de Jésus. Alors que Moïse et Élie, en principe, sont hors de l'histoire biblique depuis longtemps. Moïse est mort, il a été enterré par l'Éternel, c'est à la fin du livre du Deutéronome. Quant à Élie, évidemment, on peut se dire qu'il est encore vivant parce qu'il a été emporté de son vivant au ciel, dans le livre des Rois. Mais ce sont des figures utiles pour le récit biblique, pas des personnages qui pourraient à nouveau marcher et vivre à nos côtés. Toujours est-il que dans le récit, la présence de ces deux personnages est intrigante, car, chronologiquement parlant, ils n'ont pas leur place. En revanche, si nous nous souvenons que Moïse et Élie sont deux figures emblématiques de ce que nous appelons la Bible hébraïque, qui n'existe pas encore à l'époque, elle n'a pas été formée, eh bien, nous pouvons nous rappeler que Moïse est la figure emblématique du Pentateuque, de la Torah, de la loi. Quant à Élie, le prophète, eh bien, il est évidemment emblématique des prophètes. Dire Moïse et Élie, c'est dire la loi et les prophètes. Et dire la loi et les prophètes, c'est parler de la Bible qui est en train de se construire. C'est ainsi que Jésus parle de la Bible hébraïque qui n'est pas encore formalisée. Il dit la loi et les prophètes. Mais dans la Bible hébraïque, il n'y a pas que la loi et les prophètes. Il y a aussi les écrits, une troisième partie, les écrits de sagesse, notamment la poésie. Et Pierre, lorsqu'il dit « Il serait bon que nous fassions trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie », Pierre est un homme qui n'a pas encore ces trois parties de la Bible sous les yeux. C'est un moment où la Bible est en train de se préparer. Et peut-être est-ce un témoignage de ce moment où les trois parties sont justement en train de se structurer. Et Pierre est en train de se dire que Jésus aurait sa place dans la Bible, que Jésus pourrait être la troisième partie de la Bible. Pierre est peut-être en train de se dire que Jésus symbolise la partie de la sagesse. Peut-être Pierre est-il en train de se dire que Jésus pourrait être le maître de sagesse. Toujours est-il que Pierre déclare qu'il est bon que nous soyons ici. Il entend s'installer. Les tentes de la fête des tentes sont donc, comme je vous le disais, le souvenir de cette libération d'Égypte. Il y a la traversée du désert, il y a cette longue période de pérégrination. On ne se fiche pas, on va de l'avant, on essaie de rejoindre la terre promise, cette terre où coule le lait et le miel. La tente, c'est l'habitation usuelle des scouts, par exemple, qui ont une demeure fragile, qui ne vont pas s'éterniser sur leur lieu de camp ou sur le lieu de week-end. La tente, c'est l'habitation légère, qui permet de randonner, qui permet d'aller de lieu en lieu. Et en tous les cas, certainement pas de se ficher en terre. Eh bien, ce que fait Pierre, dans une certaine mesure, c'est de pervertir l'esprit de la tente et l'esprit du nomadisme, en en faisant un lieu définitif. Pierre voudrait que les choses se fixent là. Il voudrait fixer la Torah, fixer les prophètes, fixer les écrits de sagesse. L'attitude de Pierre pose les bases de ce que nous appellerons le canon, cette liste des livres qui forment la Bible et qui dit l'ordre dans lequel ces textes doivent être classés. À une époque où la liste n'est pas encore définitive, par rapport à l'écriture de l'évangile de Matthieu, qui est dans les années 70-80, on peut imaginer qu'il faut encore 30 ans pour que ça se formalise. Le concile de Yamné, c'est vers les années 110-120. Et bien, à une époque où cette liste n'est pas encore définitive, l'attitude de Pierre indique ce qui pourrait être imaginé. Et cette envie de fixation va être déçue, elle aussi.
cette envie de fixation va se métamorphoser, puisqu'au lieu de s'installer, ils vont tous redescendre de la montagne. Le désir de Pierre est lui aussi déçu. Alors que tout le monde est tombé face contre terre, dans une attitude extrêmement révérentielle, ils se prosternent, eh bien les disciples sont relevés par Jésus, qui les rassure et leur permet de reprendre la route. On ne va pas pervertir l'esprit du nomadisme. Les tentes, ça sert à aller de l'avant, pas à se ficher en terre. Se ficher en terre, je vous le rappelle, étymologiquement parlant, c'est être païen. Eh bien, selon la parole qui est prononcée en complément de la phrase du baptême, il sera question... D'ailleurs, quelle est cette parole dite en complément de la phrase du baptême? Quelle est la différence entre la phrase dite au baptême de Jésus et la phrase dite au moment de la métamorphose du Messie? Il y a un petit changement, oui. Écoutez-le. Écoutez-le. C'est pas lisez-le, c'est écoutez-le. Eh bien, cela signifie que l'Évangile n'est pas dans la Bible, n'est dans aucune Bible. L'Évangile n'est pas non plus dans la bouche du prédicateur. L'Évangile, la parole de Dieu, est dans l'oreille de celui qui écoute, cette chaîne de transmission. Troisième métamorphose, celle qui nous concerne plus directement, les disciples. D'ailleurs, c'est pour eux que la véritable métamorphose est valable. Car Jésus, nous l'avons vu, n'a été que lui-même, un peu plus lui-même, ne s'est pas renié en fonction de la situation. Ce sera la même chose avec l'histoire de son arrestation, de son procès et de sa crucifixion. Il prêche l'amour, eh bien il le prêchera même en situation difficile, même lorsqu'il aurait pu engager un processus de contradiction et faire valoir la violence à la place de l'amour et le service du prochain. Jésus est cohérent, il ne se renie pas, il ne se renie pas ici même. Ce sont les disciples qui ont été en fait métamorphosés, et plus particulièrement le regard des disciples, leur vision, leur manière de voir les choses. Et cela était déjà arrivé autrefois, du temps de Moïse justement. C'est en Exode au chapitre 34, le visage de Moïse rayonne de la même manière que celui de Jésus dans cet épisode. Il rayonne aux yeux des fils d'Israël. Est-ce que Moïse est en train de faire valoir quelques ondes ou quelques corps lumineux? En fait, c'est la manière dont on voit ces personnes-là qui changent. D'ailleurs, pour ce qui concerne Moïse, il y a eu un petit problème de traduction au fil des âges, à cause de la version latine, une fois de plus. Rayonner, en hébreu, c'est le verbe karan. Et la traduction latine a dit de Moïse qu'il était cornatus. Et ça a été compris comme Moïse était cornu. Et du coup, des gens comme Michel-Ange ou des peintres ont fait un Moïse avec des cornes. Parce que la traduction latine du verbe karan, qui veut dire rayonner, ça a été cornatus. Et ça a donné l'idée que Moïse était donc cornu. Ce qui nous indique à quel point notre regard et notre lecture sont prépondérants dans le sens des textes, des situations. Pour parler encore un peu d'Umberto Eco, il disait à quel point la lecture dépend du lecteur. Il parlait de lecteur modèle et de lecteur empirique, pour dire à quel point le texte échappe à son auteur et à quel point le sens dépend essentiellement de ce que le lecteur est prêt à offrir au texte. Eh bien, c'est vrai ici aussi. Toujours est-il que ce sont les disciples ou les Hébreux autrefois qui vont donc changer de regard sur la situation et sur la personne qui se tient face à eux. Ils les voient d'une manière nouvelle, ils les voient comme jamais. Et effectivement, si nous en tenons aux disciples, ils voient Jésus comme ils ne l'imaginaient pas. Ils espéraient que Jésus serait ce Messie national. Ils espéraient que Jésus interviendrait manu militari pour changer le cours de l'histoire. Et en fait, ils se rendent compte
que ce n'est pas du tout comme cela que ça va se passer. Cela, vous voyez, cette métamorphose arrive à chaque fois que nous découvrons un nouveau trait de personnalité chez quelqu'un. Et de ce point de vue-là, vous n'arrêtez pas de vous métamorphoser, les petits jeunes. Mais en fait, c'est notre regard qui change aussi. Parce que vous étiez déjà capable de sagacité, mais nous ne l'avions pas encore constaté quand cela arrive. Eh bien ici, avec les disciples, ce qu'ils voient, c'est un Jésus vraiment libre. Ils pensaient que Jésus serait conforme à l'idée qu'il se faisait du Messie. Et en fait, Jésus est libre à l'égard du moule, à l'égard de l'étiquette Messie. Je ne dis pas qu'il n'en fait qu'à sa tête. Je dis que Jésus fait ce qui lui semble juste au regard de sa compréhension de l'Évangile et non en fonction de ce que tout le monde se répète depuis des siècles et des siècles. Les disciples découvrent que Jésus ne court pas les honneurs ou les premières places, qu'il ne cherche pas à prendre un poste. Il agit inconditionnellement. Et cela renouvelle considérablement le regard sur la personne et sur ce qu'est être humain. En ouvrant autrement les yeux, ils voient Jésus riche d'une nouvelle qualité. Il est insoumis à la force du pouvoir. Il avait, après le baptême, refusé de vendre son âme au diable pour obtenir un poste gouvernemental, juste après le baptême, qui lui disait à quel point il était remarquable. Eh bien, il ne mettra pas non plus en place de théocratie. Il ne participera pas à la moindre dictature. Ce qui l'intéresse, c'est la liberté de chacun, pas le pouvoir personnel. Les disciples découvrent un homme qui n'a pas d'autre ambition que le service. Et cela, bien entendu, a de quoi nous faire réfléchir à la suite des disciples et à nous ouvrir le regard sur notre monde et sur notre façon de vivre dans ce monde-là et de nous engager dans ce monde. Et pour les disciples, cela change tout, à vrai dire. Même s'ils n'en prennent pas encore toute la mesure, même s'il leur faudra encore l'électrochoc de la crucifixion pour comprendre que décidément, ce Jésus ne courait pas après les honneurs et qu'il était libre à l'égard de tout et de tous, ce qui du coup lui permettait d'aimer vraiment, sans arrière-pensée, sans calcul. Il ne prenait pas soin des uns et des autres dans l'espoir de recevoir quelque chose en échange. Il ne flattait pas pour avoir sa part de camembert. Il ne flattait pas pour avoir la voix de ses électeurs plus tard. Les disciples vivent une métamorphose profonde qui ne s'accomplira vraiment que dans l'aurore de Pâques. Et c'est le sens de la dernière phrase de Jésus. Pour le moment, on ne peut pas parler de résurrection au sens plein du terme. Ils ont encore des vieux réflexes conditionnés. Et on le verra avec l'attitude de Pierre, par exemple, qui par trois fois reniera Jésus. Parce qu'il aura peur, parce que Pierre n'est pas encore un homme libre. Pierre n'est toujours pas libre, notamment de cette peur à l'égard du « quand dira-t-on ?». Eh bien, Jésus ouvre la voie d'une liberté nouvelle. Les disciples, pour l'heure, ont juste été relevés par Jésus de leur frayeur. Ils ont vécu un début de résurrection, mais le meilleur est encore à venir. Amen.